Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici Alexander sur Duplicate Club. On va vous proposer aujourd'hui une partie. On est lundi, donc une partie normale, complètement aléatoire pour les amateurs du genre. Voilà, donc complètement aléatoire. Alors les tirages sont générés automatiquement par le logiciel, mais il n'y a aucune intervention de ma part, si ce n'est quand il y a quand il y a plusieurs solutions au score du top. Je choisis celle qui, selon moi, ouvre le mieux la suite de la partie. Donc, à part ça, aucune intervention. Donc, les tirages, s'ils sont pourris, eh bien, c'est comme ça. Si la partie, elle dure 25 coups, ben, c'est comme ça. Si elle dure 16 coups, ben, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, alors, petite actualité cette semaine, nous organisons un petit jeu concours de Noël, c'est pas sans grande ambition, hein, c'est juste une petite question, un petit jeu, une petite question et un tirage au sort. La condition, c'est de s'abonner à la chaîne, hein, avec votre adresse, votre compte Gmail. Et de répondre à cette question en remplissant un petit formulaire. Alors, vous avez le lien dans la description. Et le lot à gagner est constitué de deux objets. L'officiel du Scrabble dans sa huitième version, donc qui est actuellement en vigueur. Et puis, un recueil de 60 parties détonnantes que j'avais rédigé et édité en 2019. Il y a quelques améliorations 2020. Il y a un petit papier qui les précise. C'est pas énorme, hein, ça n'empêche pas de jouer les parties. Et voilà. Donc, si vous avez envie de participer ou de faire participer vos proches, et bien surtout n'hésitez pas à vous partager le lien qui figure dans la description. Idéalement, vous partagez la vidéo, vous partagez la chaîne, vous partagez un maximum de choses. L'idée, c'est de faire connaître, de continuer à faire connaître la chaîne. Pour avoir de nouveaux abonnés, parce que c'est important pour son développement futur. Voilà, je vous ai tout dit. Et puis donc pendant les coups de réflexion, et puis là pendant que je parle à l'introduction, il y a un petit encart à gauche là qui s'affiche, qui récapitule ce petit jeu concours, donc qui dure jusqu'au 17 décembre, vendredi prochain, jusqu'à 20h. Vous avez la possibilité de répondre. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Alors, bonne chance si vous participez à ce jeu concours. Ce petit encart, la visuelle, va rester toute la semaine. Et puis après, je l'enlèverai, bien sûr. Alors, donc, on va démarrer cette partie normale à vocabulaire complet, du coup, complètement aléatoire. Dans quelques secondes, je vous souhaite une bonne partie. Bien sûr, à la fin, le traditionnel décodage, hein. On passe en revue les isotopes, les sous-topes, les définitions, les potentialités des tirages. Et comme ça, on apprend plein de petites nouvelles choses. Alors, aucune lettre au reliquat. Voici Hongrie H. Norvège N. Algérie A. Grèce G. Yougoslavie Y. Algérie A, c'est le deuxième. Et Suisse S. Vous jouez avec Hongrie, Norvège, Algérie deux fois, Grèce, Yougoslavie et Suisse. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 50 points. Horizontalement en H4, nous posons Yang. Y-A-N-G et le S qui se met sur la case centrale. Yang, Y-A-N-G-S en H4, ça fait 50 points. Deux lettres reliquats, Algérie et Hongrie. On ajoute Uruguay U, Norvège N, Roumanie R, Grèce G, Italie I. Vous jouez avec Algérie, Hongrie, Uruguay, Norvège, Roumanie, Grèce et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un top à 44 points. Verticalement, en 5 E, on appuie sur le A de Yang. Nous descendons Nuragi. N, U, R, A de Yang. G, H, I. Nuragi, 5 E, ça fait 44 points. Reliquat, une lettre, Algérie. On ajoute Danemark, D. Algérie, A, c'est le deuxième. Maroc, M. Tunisie, T. Italie, I. Tunisie, T, c'est le deuxième. Vous jouez avec Algérie deux fois, Danemark, Maroc, Tunisie deux fois et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 24 points.
Faites attention à la solution choisie verticalement en 4 A pour coller à gauche des deux premières lettres de Nouraghi. Nous descendons d'Amay. D-A-M-A-I-T. Le I forme in et le T forme tu avec le N et le U de Nouraghi. D'Amay, D-A-M-A-I-T en 4 A, ça fait 24 points. Au reliquat, une lettre à Tunisie. On ajoute Égypte E. Luxembourg L. Égypte E, c'est le deuxième. Italie I. Canada C. Et Tunisie T, c'est le deuxième également. Vous jouez avec Tunisie deux fois, Égypte deux fois, Luxembourg, Italie et Canada. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 67 points. Horizontalement en J2, on appuie sur le H de Nouraghi, nous posons Lichette. L, I, C, H de Nouraghi, E, T, T, E. Lichette J2, ça fait 67 points.
aucune lettre au reliquat. Après ce Scrabble, voici Tunisie, T. Italie, I. Portugal, P. Algérie, A. Norvège, N. Jordanie, J. Et Océanie, O. Vous jouez avec Tunisie, Italie, Portugal, Algérie, Norvège, Jordanie et Océanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 45 points. Horizontalement, en A3, en appui sur le dé de Damet, nous posons adjoint. A, D, J, O, I. N, T. Adjoint, A3, ça fait 45 points. Au reliquat, une lettre, Portugal, que l'on va accompagner de Égypte, E, Suisse, S, Égypte, E, deuxième, Suisse, S, deuxième,
Égypte E, ça vous en fait 3. Et votre premier joker, lettre blanche. Vous jouez avec Portugal, Égypte 3 fois, Suisse 2 fois et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 82 points. Vous ferez très attention à la solution choisie et à sa place verticalement en 10A. De façon à mettre un E au bout de adjoint pour former adjointe et en utilisant le joker comme un I d'Italie, nous descendons épicé. E, P, joker I d'Italie, S, S, E, E. Le premier E transforme adjoint en adjointe. Épicé, E-P-I-S-S-E-E en 10A, ça fait 82 points. Aucune lettre reliquat après ce Scrabble. Voici Xénophon X. Uruguay U. Kenya K. Kenya. Roumanie R.
Égypte E, France F, Uruguay U, c'est le deuxième. Vous jouez avec Xénophon, Uruguay deux fois, Kenya, Roumanie, Égypte et France. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 58 points. Horizontalement en C2, on appuie sur le M de Damet, nous posons fumeux. F, U, M, E, U, X. Fumeux en C2. Ça fait 58 points. Reliquat de deux lettres, Kenya et Roumanie, que vous allez rejeter. Donc on rejette le K et le R. Et on repart avec Luxembourg L. Égypte E. Québec Q, Québec. Maroc M. Norvège N. Océanie O et Algérie A.
Vous jouez avec Luxembourg, Égypte, Québec, Maroc, Norvège, Océanie et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 21 points. Verticalement en 8J, en partant du deuxième T de Lichette, nous descendons tonal. T, le deuxième T de Lichette, O, N, A, L, E. Tonal en 8J. Ça fait 21 points. Un reliquat de deux lettres, Maroc et Québec, auquel on ajoute Océanie O, Canada C, Italie I, Luxembourg L et Égypte E. Vous jouez avec Maroc, Québec, Océanie, Canada, Italie, Luxembourg et Égypte. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 28 points. Horizontalement, en B1, nous posons qui ? QI. Le I forme if avec le F de fumeux. Attention à la place, nous avons joué en B1. Au-dessus du F de fumeux, qui, QI, pour 28 points. Le reliquat est constitué de 5 lettres, Canada, Égypte, Luxembourg, Maroc, Océanie. En voici 2 pour compléter. Kenya, K, Kenya. Uruguay, U. Vous jouez avec Canada, Égypte, Luxembourg, Maroc, Océanie, Kenya et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé.
un maximum à 38 points horizontalement en D10 en partant du premier S de épicé. Attention à la place, hein, nous partons du premier S de épicé, c'est en D10. Nous jouons Smoker. S-M-O-C-K-E. Smoker en D10. Donc c'est sur le premier S de épicé, ça fait 38 points. Un reliquat de deux lettres, Luxembourg et Uruguay. On ajoute France F. Votre deuxième joker, lettre blanche. Roumanie R. Portugal P, Italie I, vous jouez avec Luxembourg, Uruguay, France, joker, Roumanie, Portugal et Italie, chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce coup,
s'élève à 86 points. Verticalement, en 15C, en appui sur le E de Smokey et en utilisant le joker comme un S de Suisse, nous descendons. Répulsif. R-E-P-U-L. Joker. S de Suisse. I-F. Répulsif 15C, ça fait 86 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Danemark D. Algérie A deux fois. Égypte E. Suisse S. Italie I. Et Venezuela V. Vous jouez avec Danemark, Algérie deux fois, Égypte, Suisse, Italie et Venezuela. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé.
maximum à 82 points. Verticalement en 13B, en appui sur le C de Smokey. Non, j'étais en train de penser à un petit visuel qui pourrait être marrant. J'imagine le mot smoker écrit avec un C qui est complètement déglingué, qui est vraiment pas beau. Et donc, ce serait le C pas beau de smoker. Voilà, c'est tout. Je crois que je vais en faire un petit visuel à partager, ça va être marrant. Alors, donc, je disais, un maximum à 82 points, verticalement en 13B sur le C de Smokey. Nous descendons. DKV, D, E, C de Smokey, A, V, A, I, S. DKV, 13B, ça fait 82 points. Aucune lettre reliquat après ce Scrabble. Voici un nouveau tirage. Océanie O. Algérie A. Maroc M. Zambie Z. Égypte E deux fois. Et Suisse S. Vous jouez avec Océanie, Algérie, Maroc, Zambie, Égypte deux fois et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Cinquante-trois points. Verticalement en 10J, pour mettre un S au bout de Lichette, nous descendons semer. S-E-M-E-Z. Le S vient au bout de Lichette. Semer, S-E-M-E-Z, en 10J, ça fait 53 points. De lettres reliquat, Algérie et Océanie. Nous ajoutons Roumanie, R. Norvège, N. Hongrie, H. Égypte, E. Et Wallonie, W. Vous jouez avec Algérie, Océanie, Roumanie, Norvège, Hongrie, Égypte et Wallonie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 35 points. Verticalement en 12H, en partant à gauche du I de DKV, nous descendons Héron. H-E-R-O-N.
N. Au passage, le mot forme I, H-I et E-E-S avec les deux dernières lettres de décavé. Héron. 12 H, ça fait 35 points. Un reliquat de deux lettres, Algérie et Wallonie. On ajoute Égypte, E. Danemark, D. Belgique, B. Norvège, N. Et Uruguay, U. Vous jouez avec Algérie, Wallonie, Égypte, Danemark, Belgique, Norvège et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 34 points verticalement en 3 I. On appuie sur le I de Lichette. Nous descendons Diwan. D, I, W, A, N. Diwan. 3i, ça fait 34 points.
un reliquat de trois lettres, Belgique, Égypte et Uruguay. On ajoute Océanie, O. Roumanie, R. Venezuela, V. Et Luxembourg, L. Vous jouez avec Belgique, Égypte, Uruguay, Océanie, Roumanie, Venezuela et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 37 points. Faites très attention à la solution choisie verticalement en 9i, en appui sur le deuxième E de Lichette et en cheminée entre tonal et semé, nous descendons revol, R, E de Lichette, V, O, L, E. Au passage, nous formons Ove, Non, Eil et Les, L, E, Z, avec les lettres de tonal et de semé. Revol. Attention au choix du mot, nous avons posé Revol, R, E, V, O, L, E, en 9i pour 37 points. Reliquat constitué de deux lettres, Belgique et Uruguay. Voici Italie, I. Océanie, O. Tunisie, T. Belgique, B, c'est le deuxième. Et Égypte, E.
Vous jouez avec Belgique deux fois, Uruguay, Italie, Océanie, Tunisie et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 24 points. Verticalement, en 6F, attention à la solution choisie, nous posons BUN. B-U-N. Au passage, nous formons TUB. Et rue avec les lettres de la grille. Bun, donc c'est en 6F sur le N de Yang et ça fait 24 points. Au reliquat, nous avons 5 lettres, Belgique, Égypte, Italie, Océanie et Tunisie. On y en ajoute 2. On en ajoute 2, pardon. Luxembourg, L. Et Roumanie, R. Vous jouez avec Belgique, Égypte, Italie, Océanie, Tunisie, Luxembourg et Roumanie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 83 points, horizontalement en O1. Faites très attention à la solution choisie. Pour terminer sur le E de tonal, nous posons oblitère. O, B, L, I, T, E, R et le E de tonal. Nous avons bien joué oblitère, O-B-L-I-T-E-R-E, en O1 pour 83 points. Aucune lettre au reliquat. Il en reste 6 dans le sac. Vous avez certainement commencé à les prendre. Tunisie, T. Roumanie, R. Égypte, E. Suisse, S. Algérie, A. Et Uruguay, U. Vous jouez avec Tunisie, Roumanie, Égypte, Suisse, Algérie et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé.
un maximum à 25 points. Horizontalement en M7, en appui sur ale, A-L-E. Et pour mettre un S au bout de héron, nous posons râleuse. R, A-L-E déjà sur la grille. U-S qui met héron au pluriel. Et le E final. Râleuse, M7, ça fait 25 points. Le reliquat de deux lettres est constitué d'une voyelle et d'une consonne, Algérie et Tunisie, c'est donc un tirage valide. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce dernier coup est de 14 points, verticalement en 11D, en partant du M de Smoké. Nous descendons mat, M-A-T. Horizontalement, on forme ça et E-E-T avec les lettres de épicé. Mat, 11D, 14 points. Voilà qui clôt cette partie en 20 coups sur un top cumulé de 930 points. Voilà, pour une partie aléatoire, elle est quand même assez agréable, elle est bien ouverte, il y a beaucoup de pas mal de Scrabble. Voilà, je pense que c'était une partie sympa, mais bon, vous direz ça dans les commentaires. En attendant, on va décoder tout ça, les isotopes, les sous-topes, les définitions, les potentialités des tirages, tout ça, tout ça, tout ça. Jingle.
Alors, un décodage en trois temps, comme d'habitude. Premier temps, les isotopes. Ce qu'on appelle isotopes, c'est les solutions qui ont le même score que le top, mais qui n'ont pas été forcément retenues. Parce que de toute façon, on peut mettre qu'un seul mot par coup sur la grille. Donc, il faut bien faire des choix. Et les sous-tops, donc c'est les solutions légèrement en dessous du score du top, enfin, en fonction des tirages, ça dépend. Et on va voir juste les 3-4 premiers sous-tops. On va pas aller plus loin à chaque fois, sinon ça risque d'être fastidieux. Le deuxième temps, on passe en revue les définitions des mots peu courants rencontrés dans la partie. Et donc que ce soit des tops, des sous-tops ou des isotopes. Et troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions potentielles en 7, 8 et parfois 9 lettres dans certains cas, solutions qu'on n'aurait pas vues ni pendant la partie, ni pendant le premier temps du décodage, c'est-à-dire en revisitant les isotopes et les sous-tops. Voilà, allez, donc c'est parti. Premier coup, on a joué Yang. Donc les définitions arriveront après, hein. Je les fais pas, je fais pas au coup par coup, parce que sinon c'est trop fastidieux de jongler entre les trois processus. Donc Yang faisait 50 points avec le S du pluriel, sans le S, comme Gay, il faisait 28. 26 avec Gay sans le S, Né 26 aussi au pluriel, etc. etc. Enfin vous voyez, il n'y a pas énormément de solutions. Et puis après, sans le Y, on a Aga, A-G-H-A-S, à 20 points. C'est un pluriel. Le mot s'écrit sans le S également, au singulier, forcément. Au coup d'après, alors je crois qu'il y a moyen que certains d'entre vous se soient fait avoir avec ce mot. Alors déjà, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est pas grave, hein, parce que c'est difficile. Nouragi, 44 points, sous top en H-A-N à 23. Gary à 22, AH ou HA à 21, 20 points, etc. Un joli hangar à 20 points en mot compte double. Nouragi, on verra ça dans la définition tout à l'heure, c'est un pluriel irrégulier d'un mot sarde. Donc en gros, c'est un peu l'italien, quoi. Et du coup, on ne peut pas mettre de S au bout. Donc je pense que sur le coup de épicé, là, il y a dû y avoir... Il y a dû y avoir quelques dégâts. Alors, donc c'est fait, on a vu les sous-tops. On verra ça tout à l'heure, hein, la définition. Alors ici, on a retenu Damé en haut en 4A. Pour le même score, on avait Amati, du verbe amatir, en bas. Et puis, les principaux... meilleur coup se jouait à cet endroit, à ces deux endroits-là, un mot compte double avec le dé qui double ici. Là, on ne double pas, mais on récupère le H qui fait quelques points. Et ailleurs, en G3, Dari, Mara, Marie, ça fait 20 points en formant E à Y. Le coup d'après. Alors, on a joué Lichette, sous-top celtiste à 61. C'était les deux seuls scrabs possibles. Ensuite, on avait toute une série à 27 points de mots de 6 lettres qui contiennent le D et le C. Enfin, le D qui s'appuie sur le D de Damé et qui contiennent également le C. Donc, des cils, des lises, dictées, édictées, ça fait 27. Dicte, ça fait 24, etc. etc. Ensuite... Adjoint sur le dé de Damé, 45 points. Sous-top à moins 5 avec Japon, le J en pivot sur la case bleu ciel. Jane et Jointa, les places s'affichent, font 39 points. Alors voilà, c'est là le fameux coup. Je n'ai pas compté, mais je pense que quelque chose comme pressé là en L1. 6, 7, 8, 9, 10, 20... Ouais, ça aurait fait 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 28, 9, 30, 31, 33. Voilà, ça fait 83, 84. Bon, si on n'est pas sûr, il ne faut pas le tenter, hein, bien sûr. Hein, pour un ou deux points, si on a trouvé des solutions dans la colonne 10, là, il y avait le choix
entre épicé, espèce, voilà, en plaçant bien le P, on marquait 82. Bon, si jamais on hésite, on va pas tenter le diable, hein, deux ou trois points. Surtout que c'est zéro, là, Nuraghi avec un S, Nuraghi avec un S, donc voilà. Donc là, on a joué épicé en 10A, c'était pour jouer en haut, hein, et dire d'ouvrir un peu en haut. Le S final pouvant permettre d'aller tripler. Les appuis sont intéressants pour scrabler. Voilà. Ça, par exemple, ça bloquait un peu, ça aussi. Enfin, je trouvais. Et puis, ça gardait le... Épicé, ça garde la possibilité de mettre un S au bout de lichette, en fait. Voilà, explication du choix de l'arbitre. Donc, on pouvait également jouer speedé, repesé, pressé, pédèse, espère, espèce, empesé, etc. En B9, épicé avec le P qui triple, ça fait 80 points. Empèse, épicé, tout ça. Voilà, vous voyez, il y a plein de solutions. Peseuse, pensée, empestée. Alors, un 9 lettres inespéré. Je fais pas assez de points. Voilà, bon, je passe parce qu'il y en a beaucoup. Le coup suivant. Alors, c'est un joli coup, ça, parce qu'il y a plusieurs solutions bien différentes. On a un petit furieux à 46, le top fumeux avec le X qui double, furieux, il n'y a que le F qui double, ça fait fumeux, donc le top fait 58. On a un kiffé sans le X, kiffé 54 ici et kiffé 52 ici, kiffé. Et puis les feux en petite collante là, 53. J'aime bien ce genre de coup quand les... Bon, là, il y a juste le kiffé là, qui est commun. Mais quand il y a 5 ou 6 tops bien différents, je trouve ça intéressant. Voilà. Alors, le tirage suivant, on a joué sans le cul, donc pas beaucoup de points. Tonal, 21. Calme, caméo ou clam en compte double, ça fait 18. Mosane également. À l'horizontale, en D8. Tout comme Kin, Q-I-N, avec le Q qui double, 16, 17, 18. Alors, le coup suivant, on va le poser, le Q cette fois-ci, 28 points. Sous top, coq à 22, milice à 22 également, et le Q qui passe en dessous pour aussi 22 points. Tirage suivant, coup suivant, pardon. Alors, le smoké. Je me fais rire tout seul des fois, enfin bon, c'est pas grave. Me jugez pas. Alors, donc, smoker, il fallait faire attention à la place, hein, puisqu'on pouvait le jouer en dessous pour 2 points de moins. C'est un adjectif, je vous donne la définition tout à l'heure. Lec faisait 32, plouc également, en respectivement N8 et B10. Voilà. Le coup d'après, alors là, on a joué répulsif, très joli. Je sais pas si c'est facile, je ne me rends pas compte là, comme ça. Flipper, qui s'écrit aussi EUR depuis peu, apparemment. Ça faisait 63 en sous-top, donc c'était les deux seuls scrables possibles. Sous-top sans scrabler, 36 points, meilleur sous-top sans scrabler, je veux dire, avec Fakir en 14B pour 36. Un petit mot compte double. Le coup suivant. Alors là, on a le choix des lavés, des cavés, des valets, des valisas. Voilà, beaucoup de scraps différents. Construits à peu près de la même façon avec le préfixe DE et puis succession consonne voyelle. Des cavés. Donc c'était le top en 13B, et puis ensuite on était à moins 8 avec délavé sur le L, soit de lichette, soit de tonal.
Des vallées sur le L de Tonal faisaient 72, des Valisa également, etc. Vous voyez les scores et les places qui s'affichent. Et sans scrabler, on ne dépassait pas les 33 points avec toute une série de mots de 6 lettres contenant le V et le D. Et se terminant par un S, en Cadis, Avid, Devé, Devia, Evada, etc., etc. Le coup d'après, semer, avec le... Voilà, donc on a bien fait de garder la place ouverte hein, de Lichette avec un S. Semer, EZ qui triple, Lichette au pluriel, ça fait monter le score, 53. Sous top, Mazé et ES, c'est un verbe, on verra la définition ensuite. En K10, faisait 45 et en 12H, 43. Mezé en K11, 43 également. Alors, le Héron est à 35, le Crown à 34 et le Crow sans le N. À 32, Zonera fait 30 points en N10. Le coup suivant, le W, on le joue. Diwan, sous top à 34. Sous top 28 avec Wu en 14A. Iwan, Wayang font 26 points. Pas de O pour ouvrable. On verra s'il y a d'autres possibilités de scrabler avec ce tirage. Jolie cheminée, là, c'était pas facile du tout cette place. Les LEZ, Ale, ALE, bon, sachant qu'il y avait, on pouvait aussi mettre le V, hein, pour. J'espère que vous n'êtes pas trop laissé tenter par Relove, parce que ça fait plus de points, ça, avec le V qui bleuit, le V qui double en bleu ciel. Ouais, non, ça aurait pu être joli, là, délové, ou. Ouais, mais relové, ça n'est pas bon. Donc, le top est à 37 avec Revol ou Vérol. Ove fait 36, V 31 et ailleurs 26 points maximum avec Bouzera en E7 ou Ovulé EZ en N5. Le coup d'après, Ben et on a joué Ben égalé par Ben, même score, 24. Sous top à 22 avec Bélé ou Bilé et en N6 et Bitube en 2022. Alors là, un petit trinôme bien sympa de 8 lettres, oblitéré orbitel trilobé à retenir. Hein. Trilobé qui passe aussi en décalant d'une case qui fait revoler et E mais qui ne triple pas donc ça ne dépasse pas les 83 du top. Et on retrouve la place de tout à l'heure, Bouzera, là avec Boisera, Bisera, ça fait 26-24, et puis on a deux plusieurs solutions à 22, bah, Toisera au même endroit, et Bilé, Bélé, pour prolonger les LEZ. Et puis voilà, c'est le dernier, c'est le dernier tirage, qu'est-ce que je fais, je vais trop vite. Voilà, donc ensuite, on s'approche de la fin. Râleuse à 25 points, place pas évidente. Su, SU fait 23, Tassera 22. Et donc, il nous reste deux lettres à la fin. Bon, sans intérêt. Mat, MAT, on enlève le T, ça fait moins 4. TATA en 4, 14A, ça fait 10 points aussi. Voilà, donc là, on a fini le passage en revue des isotopes et des sous-topes. Et là, on va passer aux définitions. Alors, j'ai mis le concours comme ça au début pour histoire d'avoir un mot et de vous rappeler le concours en cours. Hein, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez gagner un officiel du Scrabble 8 ou faire gagner quelqu'un un ODS 8, eh bien, c'est l'occasion rêvée. Voilà. Alors, yang, principe actif complémentaire du yin dans la cosmologie chinoise, le yin et le yang. Bon, ça se met au pluriel. S'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs yin et plusieurs yang. Hein. Logiquement. Alors, nouragé, pluriel nouragi ou nouragé ES, c'est une tour tronconique sarde.
tronc conique, ça veut dire en forme de cône. Voilà. De tronc et de cône. Amatir, rendre mat un métal précieux. Une lichette est un petit morceau, et en Belgique, c'est une attache servant à suspendre un vêtement. Celtiste, synonyme de celtisan. Le celtisan ou la celtisante étant un spécialiste de l'histoire et de la langue celtique. En général, quand on a un mot en iste, il y a le mot en isme. Et quand c'est le cas, c'est très souvent, dans 99% des cas, j'imagine, la même chose. Enfin, c'est-à-dire le iste désigne le disciple ou la personne qui promeut le mouvement ou le phénomène ou la théorie qui, elle, est dite en isme. Ben là, celtisme, ce n'est pas tout à fait la même chose que celtiste. Le celtisme, c'est l'adhésion aux traditions celtes, tandis que le celtiste, c'est un spécialiste de l'histoire et de la langue celtique. Bon, il y a une nuance, mais je trouvais ça marrant de la souligner. Allez, le Japon, nom masculin, c'est une porcelaine du Japon, épicée avec deux S. En marine, c'est assemblé de cordages, empesé, apprêté avec de l'amidon, qui fait un ou deux F, un verbe familier pour dire apprécier, je kiffe de ouf. Qui se prononce également chi, énergie vitale dans les pensées chinoises et japonaises. Smoké, adjectif garni de smoke, S-M-O-C-K-S, qui est toujours au pluriel, les smoke étant des fronces, c'est-à-dire des espèces de plis, hein, sur un... des plis, des petits plis multipliés, voilà, des multiplis. Donc il y a toujours un S à smoke, hein. Il n'y a pas de S-M-O-C-K, hein. Attention. Flipper, billard électrique, hein, bien sûr, avec E-R ou E-U-R, et puis bien sûr le verbe flipper. Décaver, ruiner un adversaire au jeu. On l'a eu il n'y a pas longtemps celui-là. Maser, soumettre de la fonte à un premier affinage. Krone, verre spécial utilisé en optique. Diwan, un recueil de poèmes arabes ou persans. Bun, pâtisserie anglaise pour le thé. Ben ou bain, hein, donc on peut mettre un S. Pluriel béni, B-E-N-I ou B-E-N-S, c'est un mot arabe qui veut dire fils. Et bain, B-E-N, eh bien, c'est l'adverbe, hein, qui veut, on dit bah oui. Bah non. Orbitel, araignée, c'est une araignée. En H-A-N, c'est soit l'interjection, soit un adjectif relatif à une dynastie chinoise, et dans auquel cas on le prononce. Ben, je ne sais pas comment on le prononce. Moi, je dirais Han. C'est un mystère, les prononciations de l'ODS. Jain. Ou Jaina, avec ou sans D, avec ou sans E à la fin, etc. etc. Adepte du jainisme. Pédèse, en physique, un mouvement brownien. Caméo, en cinéma, c'est l'apparition fugace d'une grande vedette. Mozan, Mozan, adjectif de la Meuse. Cro, d'un peuple amérindien. Wayang, en Indonésie, théâtre de marionnettes. Et le lek est l'unité monétaire de l'Albanie. Et c'est tout. Voilà, c'est fini pour les définitions. Maintenant, on va passer aux potentialités des tirages. Donc, je reviens au premier coup. Je change d'affichage. Je laisse le cadre des définitions s'il y a quelque chose à mettre. Mais je ne m'en servirai pas pour tous les mots parce que sinon, c'est ça va être un peu long. Si... Vous voyez ce que je veux dire. Alors, donc, le premier tirage. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Moi, j'ai rien vu. Alors, rien en 7, rien en 8, et en 9, Gymkhana sur G, sur KM, c'est absolument impossible. Parce qu'il faudrait que le M et le K se suivent. Donc, avec un joker éventuellement,
Et des lettres séparées, mais sinon, non, le... ce tirage ne scrable pas. Alors, là, on a Nouragui, hein. Shuringa. En anthropologie, c'est un objet, ça désigne un objet qui reçoit l'âme des morts. C'est intéressant. Voilà. Donc Scrabble unique, hein, et en 9 lettres, enfin Scrabble unique, 7 plus 1 unique, et en 9 lettres, on rajoute Harangué, Guinchera, et puis Shuringa au pluriel. Ok. Tirage suivant. Alors là, il y aura peut-être 2-3 choses. Ah non, dématé uniquement, le verbe dématé. Et en 9 lettres, diamanta, mandaté, admettez, ouais, tous les ad dématina, dynamita, trimarda. Ok, bah que des conjugaisons. Alors, le tirage d'après, il n'y a que ça? C'est les deux seules possibilités. Alors là, je tombe des... je tombe des bras. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait au moins une dizaine de solutions avec ce tirage en 8 lettres. Donc non, il n'y a que Lichette et Celtiste, alors les deux passés. Et en 9 lettres, là il y en a un peu plus. Oh, il y a ma Cayette, hein. C'est comme ça que j'appelle ma fille. Clairette, Clématite, Étincela, Tiercelet, une Chiclette. Intellect, assez splendide comme mot. Cliquette, clairette, je l'ai déjà dit. Tiercelet, je l'ai déjà dit. En fait, j'ai déjà tout dit. Testicule, c'est un peu moins joli, mais... mais bon. Alors... Alors là, rien, ni en 7, ni en 8, et en 9, japonisa, japoniste, juponné. Ensuite, bon là, il y aura beaucoup de choses, hein. Je pense que c'est pas la peine de s'attarder. On a déjà vu presque tout ça. Speech au pluriel. Ok. Alors, le tirage suivant. Quand il y a beaucoup de solutions comme ça, je vois pas l'intérêt de les passer en revue. Hein. Alors là, on n'a rien avec le KX à part Folke. Mais c'est pas tout à fait les lettres. Alors là. Est-ce qu'on a quelque chose? Malonique. Un acide obtenu par oxydation de l'acide malique. D'accord. Eh ben, voilà, j'apprends un mot. J'espère que vous aussi. Malonique, Malonique. Alors, le tirage d'après, on a toujours le Q. Qu'est-ce qu'on va trouver? Rien. En 7, 8. Et complique en 9 lettres, donc sur P et U. Ensuite. Là, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. Non. Alors là, on a vu répulsif et flipper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, rien. Rien en 7, 8 et en 9. Super flic. Ouh, répulsif plus C, ça fait super flic. C'est absolument splendide.
Alors, est-ce qu'un super flic est forcément un bon profileur? Ça, on ne sait pas. Propulsif. Ah, mais c'est magnifique. Super flic propulsif. Alors, le tirage d'après. Alors là, il y a plein de possibilités, hein, avec les conjugaisons. Dévaser, évader. Les autres, on les a vus. Alors, dévadasi. Je me souviens de ce mot. Je l'avais appris au club de Dunkerque. C'était l'époque où l'ODS2 sortait. Et c'était un joueur du club, Stéphane Gérard, qui avait fait une liste et il avait mis ça en faux verbe, en fait. Parce que ça ressemble à évader, dévader. Et donc, dévadasi, dans ce sacré brahmanique. Donc, c'est comme ça que j'ai retenu le mot. Et c'est quoi l'autre que j'ai vu là? Safavide? Safavidé? Safavide ou Séfévide, relatif à une dynastie perse du 16 au 18e siècle. Je ne connaissais pas forcément ODS 8, je ne connais pas tout. Mais Safavide, Séfévide. Ok. Et les autres, on les a vus. Hein. Bah, Dépavé, Dévaria. Dévasé, Haïté, Dévasté, Haï. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de voyelles pour scrabler en 7-8, peut-être en 9. Alors voilà, en 7-8, il n'y a rien. Et en 9, escamoté, désoname, azotémie, zérotame, mazouté. Voilà. Est-ce qu'on peut mazouter sur Facebook, s'il vous plaît? Alors, Héron. On s'en fout. Là maintenant, on est sur les potentialités des tirages. On n'est plus sur les isotopes et les sous-topes. Donc là, est-ce qu'on a quelque chose avec ce tirage-là? Je crois pas. Et en 9 lettres. En fait, mon... Oh, c'est splendide. Warolien. Waouh. Sur LI. Warolien. C'est magnifique. En fait, je voulais dire l'outil que j'utilise, là, Elliot. Je fais une première recherche, il va me donner les solutions en 7 et potentiel en 7 et 8. Et il faut que je rajoute j'ajoute un joker pour qu'il me trouve les solutions en 9 lettres. Donc pour ça prend un peu un certain temps entre les 7-8 d'une part et les 9 lettres d'autre part. Warolien, c'est absolument sublime. Et donc ensuite, là je crois pas qu'on ait quoi que ce soit. En 7-8, il n'y a rien. En 9 lettres, non plus. Et je crois qu'on se rapproche. Ah oui, celui-là, il est intéressant. J'ai 2, 3, 9 lettres, notamment Bouvreuil, Boulevard. Il y a ouvrable en 8 lettres sur un A. Et qu'y a-t-il d'autre? Alors, mais il n'y a que ouvrable en 8 lettres, en 7-8. Et en 9 lettres, prouvable et trouvable. Publivore, oh là 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 là, ouvrable avec un S bien sûr, et Bouvreuil, magnifique. Ah, ça scrabe sur les lettres bon, de disputa, enfin ça scrabe. C'est un 8 plus 1 avec les lettres de disputa, mais en nombre variable. Hein. Ensuite, alors là, je ne suis pas inspiré par ce tirage. Bilboquet sur QT, sur LQ, pardon. C'est beau. C'est très très beau. C'est magnifique. Je connais rien de plus beau de toute l'histoire de l'humanité que ce tirage. Voilà. Comme ça c'est dit. Alors, et enfin, ah non, c'est pas fini. Orbitel oblitéré trilobé, un petit trinôme à connaître, hein, qui est là, voilà. On a aussi. En trinôme avec le A, lobere oblitera orbital. Donc c'est le tirage, c'est trilobé plus joker. Bileron, strobile trilobé, libretto et libouré. Et enfin, le dernier coup, ben, c'est un tirage de 6 lettres, donc ça n'a aucun intérêt.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette partie, ce décodage. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, que vous êtes détendu, que vous avez appris 2-3 bricoles et puis que la chaîne vous plaît. Alors n'hésitez pas à vous abonner, participer au concours qui a lieu en ce moment. Alors, j'en parle pas trop, enfin j'en ai parlé au début, mais après si j'en parle trop oralement, ça n'a plus de sens après quand les parties sont rejouées en replay, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, en fait, à ce sujet, si le concours, si c'est quelque chose qui plaît, j'ai posé la question justement dans le questionnaire, si ça vous intéresse d'en avoir régulièrement. Je ne sais pas quelle fréquence encore, mais voilà, des petits trucs mensuels, par exemple, où il y a un petit cadeau à gagner, une question, un tirage au sort. Voilà, ça peut être marrant. Donc, si ça vous tente, bah, participez à celui-là déjà. Hein et puis s'il y en a d'autres, bah, vous le saurez vite. Hein. De toute façon, je vous dis tout. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien.